Voilà, je suis dans l'ENT, mon bureau numérique. Je vais cliquer sur ressources, je vais cliquer sur Média Centre. Je vais taper la BOMEP. Entrée. Je vais cliquer sur ce dessin, la BOMEP. Dans la BOMAT en poche, je vois qu'il y a un devoir maison numéro 5 proposé par Monsieur Garland. Je clique dessus. Je vois trois exercices. Sur les trois exercices, je vais cliquer sur le premier, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, etc. Alors, voilà, on me propose. Alors, je vais donc la mettre ici. Donc, on me propose de cliquer sur l'opération prioritaire. Donc là, c'est une somme algébrique. Je vais effectuer le calcul, donc le plus à gauche. Ici, j'ai une addition, une multiplication. Je clique sur la multiplication. Ici, j'ai des parenthèses, donc ce sont les calculs dans les parenthèses qui sont prioritaires. Là, j'ai une soustraction, une multiplication, une addition, c'est la multiplication qui est prioritaire. J'ai ici donc une succession, alors une division et une multiplication. Ben, je vais faire le premier calcul à gauche, donc c'est-à-dire la division. Voilà, l'exercice est terminé. Je vais pouvoir cliquer sur suite. Voilà, on me dit que c'était très bien, pas de souci. Donc, quand je retourne. Alors, sur le menu de gauche, soit je vois ici, donc j'ai testé trois fois cet exercice, 100% en fait de réussite. Quand je clique sur cet histogramme, j'ai le détail de ce qui a été réalisé. Alors, je regarde, je me déplace. Voilà, donc ici, nous sommes sur trois fois de suite. J'ai testé cet exercice le 14 du 10 à 12h18, le 14 du 10 à 12h22, le 14 du 10 à 12h26. J'ai les différents scores qui ont été obtenus. Donc, ce qui permet d'avoir un recul, un historique de ce qui a déjà été réalisé.